Piop, mes loulous, c'est tonton Tomic sur Bulletstorm. Et donc, on doit atteindre la capsule, allons-y. Ah, il me tardait de continuer, je suis rentré ce soir, c'est hop, un petit verre d'eau, pof, on se pose, et on joue. Encore. Et ça s'empointe. On regarde un peu les décors, on profite. Moult détails. Vous avez vu cette bagnole traversée par les racines et tout. La nature a pris ses droits. L'ascenseur fonctionne, donc le monorail aussi. C'est ça l'idée. Alors, j'ai vu que j'avais pas mal de points à temps. Voyons voir. 2940. Non, j'avais cru voir plus, ça devait être autre chose. Le sismologue. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en bullet, je pense que je suis pas mal. Juste le dernier, mais bon, là, je l'utilise pas. On s'en tape un peu. Sinon, les autres, ils sont quasiment pleins. Ouais, donc on va s'acheter du sismologue. À moins qu'il y ait un truc. C'est max. Donc, ouais, j'ai juste à racheter des chargeurs. Celui-là. Ah oui, j'ai toujours pas l'optimisation du pulvérisateur. C'est ben dommage. Parce que optimiser, déjà qu'il fait très mal comme fusil à pompe, j'imagine la suite. Bon, ben c'est bon, alors on est d'accord, on va s'acheter du sismologue. Ok. Pas blindé, mais pas loin. On a de la visite. Ah ouais. J'espère bien. Déçu du voyage. Alors c'est lesquels? C'est ceux qui évitent mon assaut ou pas? On se remet dedans. Oh, c'est lui qui me donne un coup de latte, j'y crois pas. Trop de balles. Exactement. Où est-ce qu'il tire? Et où vous tirez sur quoi? Sur lui. Tenez pas devant, plus. Tu me gênes dans ma création. D'où ça? Le monorail, là, en haut. J'entends, je vois pas. Oh bordel, si t'es là. Laisse-le aller. Ah, merde, c'est pas assez prêt. Putain, la bombe, elle a sauté. Ah, oh, je suis dégoûté. C'est qui m'a laté? Ouais, c'est lui. Oh, fouet. Je vais crever. Bouche-toi. Son sac à dos, c'est son point faible. Puis en plus, on a le boss. Tire sur son sac à dos. Oui, bah deux secondes, on va déjà se recharger. Et puis, je me demande si je vais pas prendre... Oui. Regardez. Hop là, hier. Son sac à dos, c'est son point faible. Ça a trop rien fait, fait chier. Son blindage est par balle. Oupé, mais non. Son sac à dos, c'est son point faible. Il est pas mort, le fils de pute. Dégage. Tire sur son sac à dos. Non, attends. Non, il m'a repéré. Ça me battu. Son blindage est par balle.
dos, c'est son point faible. Bon, alors, attends, comment je te l'aborde? Normalement, on va faire ça en glissade, comme j'avais fait la dernière fois, mais on n'a pas la même surface, ça fait sûr. Tire sur son sac à dos. Attends, si je fais ça... Son blindage est pare-balles. Je tire plutôt... Ah, mais je le cible plus quand je fais ça. On n'y trouvera jamais un coup comme ça. Ça lui touche pas, ça le touche pas, ça fait chier. Tire dans son sac à dos. Du coup, je vais prendre ça. Ah, mais pousse-toi, putain. Chut. Son sac à dos, explosif. On n'y trouvera jamais la peau comme ça. Putain. Bon, j'ai pris tous les risques, hein. Ah. Eh, je suis mort, j'ai pas eu le temps de me relever. C'est celui, je l'avais dégagé son sac à dos. Bordel. Ouais. En tout cas, au corps à corps, ça va passer, ça. J'ai pas le choix, il est dans un tout petit coin, salaud. Ah, puis je reviens là, carrément. C'est vrai que j'utilise pas mon sismoloc. Je vais peut-être tenter. Ça peut être une idée, ouais. Alors. C'est reparti. Ah ouais, ils vont pas être déçus du voyage. Ils résistent au tir. Merde, j'ai pas eu. J'ai pas été très bon sur le début. J'étais un peu vexé, j'avoue, là, du bestio. Le monorail, là, en haut. Moi, je te l'ai poussé avec la déferlante là. Faudrait qu'il se rapproche parce qu'il y a des bombes. Allez, arrive. Allez, c'est le mien. Ça va passer. Oh là, on peut foutre un coup de pied comme ça. Nickel. Oh la bombe. Et vous on va changer. Qu'est-ce que vous foutez là-bas vous? En ton cul. Ça amusait un peu, hein. Très carnage. Oh non, Bordy, ça va. D'où tu viens, toi? Au bout, là. Voilà, pleine gueule. Trop bien, Suzy. On peut-être se calmer. Non, ça gauche. Non. En haut, là. Ah oui, c'est en haut, pardon.
Putain, comment ils sont résistants, quoi. Putain, mais ils continuaient à tirer, mais en vol, l'enfoiré. Pleine gueule, bah quand même. Et il est pas mort. Incroyable. Allez. Trishka, rends-toi utile et ouvre-nous ce train. J'ai compris. C'est bon. Le kit. 1555, ok. On va surtout prendre des munitions pour toi. Encore une. Bon, allez. Charge, non, on laisse. De toute façon, j'ai 595. Il faut vraiment que je l'utilise, ça. Et on va acheter aussi. Ah non, 6, je peux acheter. Voilà, 19. On est pas mal. Des autogires. À couvert. Ah. Un tir de couverture ne serait pas de refus. Et voilà. S'il vous plaît, je suis bloqué. J'ai raté. Reviens. Oh non, j'ai foire. Voilà. Comme il s'est fait. Tente-toi. Je suis pas dessus, bordel. Pourquoi je suis pas dessus? Bah, il considérait que j'étais planqué derrière un truc, que je pouvais rien faire. J'ai pas encore l'habitude de ça. J'ai pas le tempo. Trishka, rends-toi utile et ouvre-nous ce train. J'ai pas le tempo, compris. Bordel. C'est bon. Du coup, hey hop. Allez, venez, saleté. Des autogires. À couvert. Un tir de couverture ne serait pas de refus. Et voilà. Ça peut marcher aussi avec ça. C'est bien pratique. Il en arrive encore. Un membre de Dadeco. Il passe par la droite. Compris. D'où ça? Ah merde. Non, c'est en haut. Merde, je suis là. Ouais. Boum. Ah, je me suis dit, si je le fais péter, j'étais pas sûr.
fuck. Bon. Ça passe ça? Non, ça passe pas. Voilà. Je reprends mes automatismes, c'est bon ça. Si ça tombe, si si. Et encore devant. Botage de cul. Il a plus de jambes, il a plus de jambes. Il a plus de jambes. Ça, c'était rigolo. Bon. On monte ou on monte pour? Renfort ennemi en approche. Ils sont où? À gauche. Et merde. C'est qui arrive? Ah bien, par là. Je devrais les regarder un peu plus quand même. Non, vite, vite, vite. Ah, salaud. Il y a du monde, hein. Allez, double. Bien. Oh là, du gros. Bien. Hop là, raté. Non, tu sais pas viser. Et le deux, hop là. C'est son point faible. Je sais. Alors, on va changer d'arme. Tire dans son sac à dos. Tire sur son sac à dos. Merde. Non. Quand je fais ça, il me tape. Son sac à dos, c'est son point faible. Vite. Voilà. Ah, on a vu son cul, mais de bonne manière, là. Trop marrant. C'est bon, on peut y aller. Ah bah il était temps, ouais. Attends, du coup, on est pressé, hein, on n'est pas aux pièces. Hein. Ça va trop vite, ça descend trop vite. Je pourrais me foutre à fond, mais bon, attends, je regarde. Bon, c'est bien ce qui me semblait. On va se rendre à 5, je pense que c'est 16. C'est bon, là on peut y aller. Ah, tu parles d'un cauchemar. C'était quoi l'opération que vous y amenez ici? C'est compliqué. Fallait évaluer la gravité de la situation. Établir une zone verte. C'est pas pour critiquer, mais si ton escadron Final Echo était pas foutu de maîtriser ces saletés, c'était mal barré. Les Skulls et les Crips, c'était pas eux le problème. Mais il y a des trucs bien pires encore ici. Oh, vas-y, dis-nous, ma grande. C'est quoi le pire truc dans le coin? Ce sont les Burnout. Des vrais mutants. Si on en voit un, vous comprendrez. Génial. Ah, encore des nouveaux bestiaux. Alléluia. On est une
cible dans ce truc. Il a résisté au crash. Il résistera aux balles. Faut espérer, je détecte du mouvement tout autour de nous. Vous l'avez vu ? Malheureusement. Wow. Ok, je suis encore tombé. Mais je m'en rêve toujours. Wow, c'est du gros, du lourd là. Vous avez vu ça? Oh là là, ils ont l'air bien bien méchants. Ils arrivent. Écoutez, visez les parties brillantes ou ils nous attaqueront encore. Visez, Grey, tire sur tout ce qui brille. Oui. Putain, dégagez. C'est bon? Il y en a d'autres ici! Comme de putain. Où ça vous va, les gars? Sans munitions. Cool, juste au bon moment. Dysfonctionnement majeur, bien. Alors, surtout ça. Je suis à donf. Allez, hop, zo. Et il me reste 1315. Bien. Bien. Nouveau. Déverrouiller charge. Sympa. Je me... Ben, de toute façon, j'ai pas assez. Je disais, je me tarde. Non, c'est ça que je voulais aussi. Ah, je peux pas plus. D'accord. J'ai munitions max. Ok, bouge. Oh, lolo, tonton. Bien fatigué encore ce soir. Bon, ben bien. Bon, on peut lui reprendre. T6, Moloch. Allez, tiens. Bien, bien, bien. Bon, ben les nouveaux bestiaux, ils sont chauds. Hein. La porte est en panne. Surtout qu'ils sont très speed. Et qu'est-ce qu'on fait donc? On peut pas attendre. Essaie de visser dessous. Comme ça. Merde. Ok. La porte. Très bien. Non, non. Préparez-vous, on n'en a pas fini. Qu'est-ce qu'il en arrive ce coup-ci? Butez-les-moi! Sur les côtés, ils nous prennent en traque. Ok, ok. Merde, merde. Putain, mais qu'est-ce qui se passe?
J'ai appuyé mais comme un bourricos pour avoir mon lasso. J'étais sûr de mon coup. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis pris coup sur coup, mais... La porte est en panne. Je me suis fait bourriner la face. J'ai halluciné. Fais chier. Merde. Ouvre la porte. Très bien. C'est pas moi qui l'en voulais. Putain, je tire partout sauf sur le bon. Sur le bon endroit, je veux dire. Bonne gueule, allez. Préparez-vous, on n'en a pas fini. Butez-les-moi. Sur les côtés, ils nous prennent en traque. Notre logique est implacable. Ça a fait mal, hein. Nickel. Ensuite, encore un à droite. Écoutez, ça c'est bon, ça. Vous entendez? La bande ici, la Skull, tout prêt. Ça a pété derrière mon dos. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air d'être la sortie pour les... Ils sont en train de voir pour nous. Il faut partir. Allez. Putain, je l'ai pas. Là, je l'ai. Ah. Voilà. Un cœur. Par contre, ça serait bien que ça s'arrête parce que j'aurais plus beaucoup de munitions quand même. Hein. Ça se détend. Apparemment, oui. J'ai pas de recharge de munitions dans le coin. Je pense que j'ai tout chopé en plus. On est d'accord. On est d'accord. On avance. Il y a encore du monde. Ah.
Allez, vas-y. On tire tournichassé. Voilà, il tire à gauche. Ah! Allez, comment économiser des balles, je vous le dis moi. Ah le bol. Bien, 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 petit, 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 petit. Hop là. Encore. On fait l'aise. Ah bon, pas d'accord. Prends les mains qui sont les sorties. C'est vrai qu'ils m'en veulent à moi personnellement, hein, je sais pas. Ah dommage. Ah, j'ai poussé les deux ensemble. Bon, ça aurait mérité un petit prix supplémentaire quand même. Bon, c'est pas grave. On va se calmer. Ah, j'étais comme ouf. J'ai max encore. Ah non. Non, pour moi. Alors, ouais. Carrément. Toi, t'es à fond. Je pourrais acheter des charges. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que ça fait bien mal quand même comme des charges. Mais bon, en même temps, pour l'instant, c'est du petit haut. Regardez le reste. Pousse-toi, pousse-toi, je te jure. Les femmes me laissent pour faire, un peu plus. Et voilà, et il se met nous encore devant. Merci. J'ai bien vidé presque un chargeur sur la tête, mais ça va, je le vis bien. J'ai toujours peur qu'ils arrivent par derrière. Tiens bon l'hélico quand même depuis tout à l'heure, je croyais qu'il allait se crasher plus tôt. Oh oui bien. Découpage en règle. Que je parle de mon scorbut. Trop bien. Je l'ai pas, je l'ai pas. Je voudrais les envoyer là-dedans. Voilà, délicieux. Sans pointe. Oh de Dieu, non, non. Il est pas encore mort. Eh ben, il faut le retuer. Ah, il est à terre. Mais pas encore mort. On peut y remédier. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien. Il est affaibli. Batte-lui le cul. Insulte-le. Fais quelque chose. Un bon coup de colio, ça va se calmer. Foutez-lui des coups de latte. Oh, ça va très mal pour une demoiselle. Ah merde, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ah, fais chier.
Pas la peine de l'insulter, ma grande. Et tu veux du lourd? Trouver un moyen de le tuer. Les pailles de l'hélico. Bien vu, mon chat. Ça l'arrête ou pas? Non. Encore assez. Ta. Y a-t-il quelque chose ici qui devrait nous permettre de l'achever? Ah, ta recharge. Putain, non. Voilà. Dégueu. Je vais pulvériser mon record. Y avait une caisse là. Alors, je vais recharger ce gun là. Ça, il me reste un peu de bullet ça. J'ai dû gagner quand même pas mal de trucs. C'est vraiment pourri ici. Les immeubles se cassent la gueule. Non. Il y a forcément une raison. Trishka, t'as une idée? Yes. J'ai une intuition, mais j'espère me tromper. Alors... Tac, 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 tac. Surtout... 19, ouais. C'est excité. Donc c'est vrai que je pouvais l'optimiser, lui. 2200. Mais bon, je n'utilise pas. Mais j'utilise pas. Des fois, on a nos armes de prédilection. Après, on n'a plus franchement envie d'en changer, mais bon. Surtout les charges. Bah, je lui ai bien fait mal avec les charges. C'était pas mal. Surtout, ça coûte pas bien cher. Hein. C'est vrai que je viens de voir ça. Voilà. Et hop. Toi, du coup, je peux te mettre à fond aussi. Paf. Et c'est bon. Circuit logique renvoie une faible super de survie. Putain, mais prends des antidépresseurs, je sais pas moi. Ça te fera du bien. Coincé. Tu peux faire quelque chose, Gray? Non, c'est que tu serais presque amical. Montez. Bouge ton cul, du con! C'est marrant, comme même en me crachant à la gueule, on sent quand même que t'as envie de moi, mademoiselle. Mais bien sûr! Comment résister aux pirates défraîchis responsables de votre calvaire? Bon, il arrive quand ton vaisseau? J'ai perdu le contact avec le terminal du royaume en même temps que mon lasso. Ils ne savent pas que je suis en vie. Mais ce type dans la capsule, s'il est vivant, tu pourrais peut-être l'appeler avec mon lasso? Non, le tien a été compromis en fusionnant avec toi. Impossible de transmettre quoi que ce soit. S'il est vivant, un transporteur viendra l'évacuer. S'il meurt, pas d'évacuation. C'est clair et net. Ça me semble très clair, oui. En parlant du loup... Je relève des signatures offensives. Il est vivant. Il résiste à un groupe de Skulls. Pour l'instant. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vite! Bon, ça s'est arrêté. T'as pas le choix
T'es où? C'est qu'il me tirait d'en bas en fait, je suis très très con. Focation, très bien. Trop pressé. Putain. Je descends. Nous n'avons plus besoin d'elle. Ouais, peut-être bien, mais c'est pas une raison quand même. Te connaissant, je pensais que tu l'aurais compris. L'éthique, mon cher Gray, c'est pas ton fort. Quoi? T'as baissé les bras? Tu laisses ton côté robot te dominer? C'est ça, vas-y. J'en avais marre de t'entendre faire la morale de toute façon. Pour info, Sarano reste sous ma protection. Si tu veux t'en prendre à lui, je n'hésiterai pas à t'éliminer. Ouais, vas-y. Essaye un peu de m'éliminer si tu le peux, au bout de mes deux. Allez, Miss, me lâche pas maintenant. Prenez un chewing-gum, Emile. Réglez vos